m'appelle Aurélien Ducrot, j'ai 28 ans, je suis chamonnière d'origine, skieur professionnel et double champion du monde de ski freeride 2009 et 2011. Je suis également skipper de mini 650, c'est pour ça que vous me retrouvez ici sur mon bateau. Latitude neige, longitude mer, c'est une rencontre avec Adrien Hardy, qui était lui-même skipper de mini 650 en 2007, celui qui m'a fait découvrir la mer et ses bateaux. Le projet, c'était tout simplement de réunir mes deux passions, la mer et la montagne, en combinant finalement deux carrières sur deux années et faire quatre saisons de compétition. L'objectif étant pour le freeride, bien sûr, un titre de champion du monde, et pour le mini 650, la découverte déjà de la mer, et surtout se qualifier pour la Mini Transat 2011. Salut Aurélien, c'est vraiment un honneur que tu me fais de me demander d'être ton parrain. Je suis vraiment tout cœur avec toi et j'espère que encore une fois, tu auras autant de bonheur que moi pendant cette Mini Transat. Salut. Je suis une deuxième fois champion du monde de freeride et un deuxième titre de champion du monde, c'est assez particulier parce que petit, on rêve toujours d'être champion du monde. Enfin, j'ai toujours rêvé d'être champion du monde de ski un jour. Par contre, je ne m'étais jamais posé la question à être double champion du monde de ski. Et voilà, c'est vraiment un gros bonheur. Je trouve que c'est encore plus fort parce que ça montre qu'une deuxième fois, on est capable d'être présent et ça montre une régularité. C'est une belle récompense en tout cas. Grosse partie des objectifs de ce projet ont été remplis avec les deux titres de champion du monde de freeride. Maintenant, il reste encore un grand morceau, c'est la Transat 650 en solitaire. Et donc, je suis en pleine préparation pour ça. C'est un parcours entre La Rochelle et Salvador de Bahia, qui est à peu près 30 jours de mer sans assistance. Voilà, dans un milieu que forcément je connais moins bien que la montagne. Donc voilà, mais tout est en route.